pouvez-vous vous présenter et présenter votre entreprise? Bonjour, donc moi je suis Florent Petit, je tiens la boulangerie qui est au Champ de Mars, la boulangerie de mon grand-père et mon arrière-grand-père, que j'ai essayé de reprendre d'ici il y a déjà 7 ans. C'est la 5e génération et j'en suis très fier. L'apprentissage, comment ça se passe au niveau de la boulangerie-pâtisserie? Eh ben, comme il n'y a plus de participants au CFA Gap Digne, on les prend en compagnon à Argentière. Donc c'est une problématique que tu rencontres aujourd'hui si tu veux. Je ne trouve pas ni d'employés qualifiés ni d'apprentis. Donc on a un réel problème sur notre territoire. Ça ne donne plus envie de travailler dans ce pays. Donc les compagnons, c'est à l'Argentière et c'est au niveau de l'Argentière que tu arrives à trouver un compagnon au niveau de l'apprentissage. Et ça se passe comment en fait? Il reste un an, ils font le tour de France, chaque année ils changent d'entreprise. Donc tu en as un chaque année? Donc ce tourisme à 4 saisons, tu y crois? Et tu voudrais tout faire pour que ton entreprise puisse vivre sur les 4 saisons? Bien sûr, l'entreprise ne vit pas qu'au juillet et août et pendant les périodes de Noël. Elle vit aussi en septembre, octobre, novembre, il faut trouver quelque chose pour relancer l'affaire. Parlez-nous de vos souvenirs de la Cité Vauban. La Cité Vauban, pour moi, ça représente quand j'étais petit, le marché avec ma grand-mère, les livraisons avec mon grand-père, avec tous les clients qu'on connaissait bien. C'était très mouvementé, beaucoup de gens qu'on connaissait et beaucoup d'animation. Parlez-nous là, du fait qu'il y a 25 donc, rideaux fermés quand vous faites vos livraisons dans la Cité Vauban et que vous voyez donc ces rideaux fermés, c'est quoi, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est triste, ça fait de la peine de voir les villes comme ça. C'est très calme, il n'y a pas un bruit, tout est fermé et il faut remédier à ça. Alors il y a 7 ans, quand tu as repris la lignée des boulangeries petits, il y avait un dynamisme qui, 7 ans plus tard, est perdu. Et oui, nous avons perdu quand ils ont refait le Champ de Mars, toutes nos places de parking pour recevoir des bus, beaucoup de camping-cars, des clients qui étaient fidèles à la boulangerie, parce que le matin c'était le croissant, le café, maintenant ils ne peuvent plus stationner devant, c'est compliqué. Malgré que le parking soit refait à neuf, on a perdu une grosse clientèle qui est née au mois de septembre, octobre, et l'intersaison permet de vivre mieux avec ça. Au lieu d'avoir un parking où nous avons perdu beaucoup de place, pourquoi nous n'avons pas eu un parking souterrain avec une belle esplanade pour pouvoir faire des pique-niques, un air de jeu, pourquoi pas juste de la vie devant au lieu d'avoir des places de parking goudronnées et même pas déneigeables. Pourquoi tu es derrière ce projet Briançon Vauban Cité des Arts? Ça me tient à cœur parce que mon grand-père a mis toute son énergie dans ce magasin, à faire tout 100% maison. Et ça me tient à cœur parce que moi je suis un jeune d'ici, je suis né ici. Et c'est toute ma vie qui est ici, c'est pour ça qu'il faut que ça reparte. Tu es derrière ce projet? Oui, bien sûr. Je suis à fond derrière ce projet et j'y crois bien. Il y a l'urgence, ça se passe très très vite.